Excusez-moi. Excusez-moi, je m'appelle David Westcott. Ma femme Carole a été hospitalisée ici. Une petite minute, monsieur. Oui, madame. Oui, oui, je sais, oui. Mais il y a 3 heures d'attente aujourd'hui, madame, et on est débordé. Il faut que je voie ma femme. Elle est au service des urgences, c'est grave. Monsieur, attendez encore une petite minute. Oui, bah, amenez-la. On verra ce que c'est. Oui, je comprends. Oui, d'accord. C'est bon. Docteur. Oui. Vous avez une seconde? Nora, grouille-toi, on va rater le début du film. C'est toi qui voulais y aller. Je t'assure, Rachel, il faut que tu essayes. Pour rencontrer des mecs, c'est génial. Maintenant, tout le monde chatte sur le net. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Écoute, je te dis que ça ne m'intéressait pas. On y va, oui ou non? Je vais t'inscrire quand même. Tu vas voir, tu vas adorer. Arrête. Bon, maintenant, il faut qu'on y aille. On va être en retard. Oh, j'ai dû les laisser au premier étage. Est-ce que tu peux être énervante? Tu as 2 minutes. Tu as déjà 30 ans. Il faut que tu trouves quelqu'un si tu veux avoir des enfants. Après, tes horaires sont trop vieux. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Lâche-moi, Nora. Oh mon Dieu, c'est David. Vite, il faut que je réponde. Oui, David. Oh, Rachel, pardon de vous appeler aussi tard. Je suis à l'hôpital. Vous êtes blessée? Non, c'est Carole. Elle, au moment où elle se préparait une tasse de café, elle s'est effondrée. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Écoutez, je suis navré de vous embêter avec ça, mais est-ce que vous pourriez appeler John Price et reporter notre rendez-vous à demain? Oh, pas de problème. D'ailleurs, je dois avoir son numéro personnel au bureau. J'y vais tout de suite et je le mets au courant de la situation. Est-ce que vous pourriez aussi appeler Judith après, pour l'informer? Dès demain matin, réorganisez mon planning, ça m'étonnerait que je puisse venir. D'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse autre chose? Non, merci. J'ai appelé la cousine de Carole, Maribeth. Elle va venir pour s'occuper de la petite, mais pas avant demain. Elle arrive de Richmond. Votre fille est avec vous? Oui, j'avais pas le choix. Tout s'est passé si vite, je n'allais pas la laisser toute seule. Enfin. Pour l'instant, elle dort. Merci infiniment. Oh non, c'est normal, la pauvre chérie. J'espère que ça va aller. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, je peux pas aller au cinéma, il faut que je file tout de suite au bureau. Rachel. Oh, mais je peux t'accompagner et après, on va à la séance de 10h30. Non, ça va être long, j'en ai pour la soirée. Mais pourquoi ça prendrait si longtemps? Écoute, tu sais que j'adore mon job et que mon patron me confie certaines choses parce qu'il a confiance en moi. Fais pas cette tête-là. On verra ce film une autre fois. Oui, si tu veux. On peut peut-être aller dîner mercredi soir et y aller après. Ça te dirait? Même pas vous abandonner dans un moment pareil. Tenez. Avec de la crème et un sucre, c'est bien ça? Oui, merci. J'ai contacté John Price. Il pense bien à vous. Merci. Alors, comment va-t-elle? Elle est en service de soins intensifs. J'attends les résultats des examens. Chérie, regarde qui est là. Bonjour. Bonjour, Rachel. Merci. Vous n'étiez pas obligée de venir. C'est la moindre des choses. On travaille ensemble depuis 3 ans. Je me sens très concernée. T'es pas trop fatiguée, mon cœur? Ce serait mieux si je la ramenais à la maison, David. Je la coucherai et l'amènerai à l'école demain matin. D'accord. Bien. Rachel va s'occuper de toi. Attendez une minute, je vous donne la clé. Ah, j'en ai déjà une. Vous vous souvenez? Ah oui, c'est vrai. Bon, mais c'est vraiment gentil, je vous remercie. Bonsoir, papa. Je sais pas ce que je ferai sans vous. Faites beaux rêves. Oui.
Au revoir, papa. Allez, bonne nuit. Allez. Oui. Rachel ? Quoi ? Est-ce que ma maman va mourir ? Les médecins font tout pour qu'elle aille mieux à l'hôpital. Alors ne te fais pas de soucis, ma chérie. Okay. Maintenant, il faut dormir, d'accord ? Bonne nuit. Bonne nuit, Rachel. Salade de choux et du pain complet. Et de l'eau. Ta maman a acheté tout ça pour nous aujourd'hui. Oh, ça c'est trop bon. Merci, maman. Ouais. Ouais, merci, maman. Santé. Je t'aime, Carole. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, David. On va d'apporter ton nounours à l'école. On doit montrer nos jouets aujourd'hui. C'est super. Tu vas bien t'amuser. Salut. Tu es une gentille petite fille. Amuse-toi bien. Donne-moi un bisou. Voilà. Bien. Allez, à bientôt. Au revoir. Vous avez une très jolie petite fille. Oh, merci. Ne vous en faites pas, je passerai la prendre, pas de problème. C'est sans doute la dernière chose que vous voulez entendre, mais vous devriez vous accorder une petite pause. Je raccompagne Isabelle à la maison et après je vous prépare un petit dîner. Je pense que ça lui ferait très plaisir de vous voir, même si vous ne restez pas longtemps. Vous n'avez pas tort, la cousine de Carole doit arriver, je passerai peut-être à la maison. En tout cas, merci pour tout, Rachel. J'essaierai de rentrer vers 6 heures. Au revoir. Je suis sûre que tu vas venir. C'est trop tôt pour savoir. Ah, d'accord. Oh, pauvre Carole, je n'arrive pas à y croire. Oui, c'est affreux. J'ai dîné avec eux il y a quelques jours. Elle avait un début de rhume, mais elle avait l'air très bien. Oh, j'ai eu votre message à propos du rendez-vous avec John Price. Je pense qu'il vaudrait mieux le reporter à la fin de la semaine. Je demanderai à David si je peux le recevoir toute seule. On commence à ressentir le contre-coup de la perte de l'affaire Rolf. Je lui demanderai. Ok, la prochaine fois qu'il appelle, vous pourrez me le passer ? Bien sûr. Merci. Tu crois que je vais te le passer ? Tu rêves ou quoi ? C'est moi qui lui demanderai après, on verra. Mais enfin, t'entends ce que je te dis? Oui, Nora, je ne suis pas sourde. Alors, je ne sais pas du tout. Tard, probablement, tu n'as qu'à commander une pizza si tu veux. Je croyais qu'on sortait. Non, non, je peux pas. Je donne un coup de main à David, c'est important. D'accord? J'aimerais bien que tu arrives. Non! Il y a sûrement d'autres gens qui... Non, Nora. T'es pas obligée de faire
Ça suffit. Arrête. Lâche-moi. Mais enfin... Oh, ma chérie. Alors, cette journée... C'était bien. Est-ce que maman est rentrée? Non, pas encore. Mais bientôt. Par contre, ton papa va venir à la maison et on va dîner tous les trois ensemble. Ok. J'ai une petite question. Quel est le plat que ton papa préfère au monde? Tu peux me le dire. Il adore les spaghettis de ma maman. Oh, il adore ça? Oh, viens, ma chérie. Merci. Je me régale. C'est vraiment délicieux. Merci. Papa, est-ce que je peux manger devant la télé, s'il te plaît? Écoute, bon, d'accord, juste pour cette fois. Et fais attention avec la sauce. J'ai eu le résultat de la ponction lombaire cet après-midi. Le médecin a diagnostiqué une encéphalite. Une encéphalite? Oui, c'est une infection bactérienne très rare dans cette partie du monde. D'après lui, elle aurait attrapé ça au cours de notre dernière croisière. Sans doute à une des escales, on ne sait pas exactement. Ça provoque des caillots de sang et... S'il s'en forme un dans le cerveau, elle plongera dans le coma. Oh non, c'est horrible. Elle devrait réagir positivement aux antibiotiques, mais... Il est déjà possible... qu'il y ait des lésions cérébrales. Son état est très critique, alors je vais repartir là-bas. Ouais, d'accord. Il y a encore quelque chose que je puisse faire pour vous? Eh bien, Marie-Beth va arriver d'ici peu. Vous pourriez lui expliquer ce qu'il faut faire pour Isabelle. Oh, bien sûr, oui. Je vais m'en charger. Oh, et surtout, appelez John Price et Judith, s'il vous plaît. Et dites-leur que demain après-midi, ça m'ira très bien. Comme Marie-Beth sera là, je crois que je pourrai quitter l'hôpital pendant quelques heures. Merci encore, Rachel. Ce dîner était excellent. De rien. J'y vais. Tu te régales, on dirait. Bonjour. Bonjour, vous devez être Marie-Beth. Et vous, Rachel, la secrétaire. Ravie de vous connaître. En fait, je suis assistante de direction. Bonjour, Isabelle. Elle est en train de finir de dîner. Oh, chérie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas idéal de manger devant la télévision. Viens, tu vas terminer à table. Oh non, moi je veux voir l'émission. Mais je vais l'enregistrer. Ne t'en fais pas. Tu la regarderas après. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester un peu. Je vais aider Isabelle à faire ses devoirs. Oh, c'est très gentil. Mais j'aide mes enfants tous les jours, je peux le faire. Oh, mais non, je vous assure. Non, c'est avec plaisir. Non, mais c'est pas la peine. Mais je vous remercie de l'avoir proposé. J'oubliais, David m'a dit que vous pourriez m'aider à trouver une babysitter parce que je ne pourrais pas rester très longtemps. Bien sûr. Parfait. Bonne nuit, ma chérie. Oh non, je veux pas que tu t'en ailles. Elle, je l'aime pas. Ça va aller. Allons, Rachel doit rentrer chez elle pour s'occuper de sa famille. Mais on va se revoir toutes les deux bientôt. Sois gentille. Nora? C'est le mien? Oui, c'est le mien. Qu'est-ce qui te prend? Combien de fois je t'ai dit de ne pas piquer ma nourriture, de ne pas mettre mes chaussures, ni de toucher à mes affaires? Ah. Tu n'avais rien dit pour le jus de fruits? Tu n'écoutes jamais rien. Et ne mets pas les pieds au deuxième. C'est mon espace. Oh.
Qu'est-ce que l'encéphalite? Dans les cas les plus graves, les patients peuvent souffrir d'une perte définitive de l'audition, de la vue et de la parole. Cette maladie peut aussi provoquer des lésions cérébrales et une paralysie partielle ou totale qui demande une lourde prise en charge. Il y a d'autres complications comme une défaillance de la glande surrénale et des reins. Oh mon Dieu! Pauvre David! Oh, quelle horreur de voir sa femme traverser une épreuve pareille. Vous serez plus satisfait ici dans une petite agence, John. Nous avons moins de clients et du coup, nous nous en occupons mieux. Mais vous avez des concurrents impitoyables. Ce ne sera pas une décision facile à prendre. Grady Branson fait tout pour remporter l'affaire. Oh oui, il peut déployer le grand jeu, mais peut-il vous donner une réelle attention personnalisée? C'est ça la vraie question. Bonjour Rachel. Voilà le rapport financier que David a demandé. Merci beaucoup. Hé, hey, ils sont avec John Price en ce moment. Oui. Faut que ça marche. On a drôlement besoin de ce contrat, après le coup de l'affaire Gunderson Entreprise. On aura du bol si on récupère un centime de ce qu'ils nous doivent. Ah bon, tu crois? T'en fais pas, on va s'en sortir si David et Judith décrochent le contrat Kirtland. Mais vaut mieux croiser les doigts. Ça, oui. Au fait, Rachel, on va déjeuner? Tu m'as promis qu'on irait ensemble. Tu as tout à fait raison. Bon, ben, je me suis dit, si tu n'es pas trop occupée, qu'on pourrait peut-être essayer ce petit restaurant qui est au coin de la rue. Ah oui, mais je suis désolée, Wally, pas aujourd'hui. Comme David bouge beaucoup en ce moment, il faut vraiment que j'assure. Oui, je comprends. Eh ben, la semaine prochaine, peut-être? Oui, peut-être bien. On verra comment ça évolue. Bien sûr. Entendu? Dès que je serai Madame Westcott, je n'aurai plus à jouer ce genre de petit jeu. Merci d'être passé nous voir, John. Mais de rien. Monsieur Kirtland donnera sa réponse dès son retour de Hong Kong la semaine prochaine. Parfait. Je vous raccompagne. David, excusez-moi. Alors, comment ça s'est passé? Le mieux possible. Ah, tant mieux. Maintenant, je repars à l'hôpital voir Carole. Elle va quitter l'unité de soins intensifs. Oh, ah bon? Alors, c'est qu'elle va mieux? Apparemment, oui. Elle répond positivement aux antibiotiques, mais il ne se prononce pas sur d'éventuelles séquelles. Mais ils sont optimistes. Le médecin reste prudent. Elle est toujours sous sédatif, donc je ne resterai pas longtemps. Comme ça, je pourrais dire bonsoir à Isabelle. C'est une bonne idée. Ça va lui faire très plaisir. Jamais comme avant. Malheureusement, quand on souffre de cette maladie, on se remet jamais tout à fait. Tu ne sentiras rien. Juste une petite bulle d'air. Tu vas nous manquer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Merci. De rien. Au revoir. Chérie, Marie Bess nous attend dans la voiture, tu viens? Allons-y. Elle va venir avec nous, Rachel? Non, elle repart dans sa voiture, tu la verras après. Je suis désolée, Isabelle. Ça va aller maintenant, je te le promets. Allez. Viens. Plaisir de vous revoir. Merci. Oh, David, comment vous vous sentez? Oh, ça va, merci.
Vous pouvez dire à Judith et Wally de passer me voir quand ils auront une minute. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous apporte un café? Oui, merci. Je ne comprends pas, ça fait une semaine et toujours rien. Kirtland est sûrement rentré à New York. J'ai pourtant appelé Price, mais je n'ai pas de réponse. Et pas de bruit qui court non plus? Non. Pardonnez-moi, je pense que ça va vous intéresser. Qui va décrocher le contrat avec Kirtland? Judith. C'est mauvais, ça. Il faut que j'appelle John Price. Allô, au bureau de John Price? Oui, bonjour, David Westcott. Passez-moi John Price. Oh, il est absent pour l'instant. Il doit revenir en fin d'après-midi. D'accord. Vous pouvez lui dire que j'ai appelé? Oui, j'en informerai. Merci. Au revoir. Il est sorti. Je crois qu'il y a des décisions à prendre si le contrat nous passe sous le nez. Il y a un risque de licenciement. Je n'ai pas envie d'aborder le sujet pour l'instant. On verra bien, chaque chose en son temps. Salut, Wally. Ah, c'est toi? Finalement, est-ce que tu l'as essayé, ce restaurant? Il paraît que c'est très bon. Non, pas encore. Pourquoi? Je me suis dit que je pourrais peut-être accepter ta proposition si tu n'as pas prévu autre chose. Non, t'as de la chance. C'est pas vrai. Non, j'y crois pas. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire par quelqu'un qui bosse pour elle. Ça, c'est un scoop. Tu connais tous les potins sur tout le monde, toi. Hein? Oh, et ben disons simplement que j'ouvre mes oreilles. Alors c'est quoi l'histoire avec Grady Branson? Enfin, à part le fait qu'il travaillait pour David et qu'après, il est devenu le vice-président de la boîte où il est maintenant. Je m'entendais assez bien avec Grady, mais... Quoi? Oh, c'était le genre à foutre la pagaille. Non, c'est vrai, comment? Tu sais, c'est pas bien, je devrais pas en parler. Oh, arrête. Avec moi. Allez. Grady, il aime bien picoler. Et à la fête de Noël, il a laissé échapper qu'il craquait pour Judith. Mais comme tous les mecs, hein. Bref, deux semaines plus tard, j'avais oublié quelque chose au bureau un soir. Alors j'y suis retourné et je les ai vus dans son bureau tous les deux. Ils mangeaient un sandwich. Ils étaient à 2 centimètres l'un de l'autre. Je te jure, il sait y faire avec les nanas celui-là. Ah oui, après? Oh, à mon avis, ça n'a pas duré longtemps. Après, il a quitté l'entreprise. Un mois plus tard, il avait cet autre job. Tu crois que sa femme l'a découvert? Ça m'étonnerait. Dis donc, il est hors de question que tu en parles à qui que ce soit, promis? C'est évident. Ça reste entre nous. J'espère bien. Merci. Rachel, est-ce que Marybeth a appelé? Oui, et aucune des gardes d'enfants qu'elle a rencontrées ne lui a plu. J'ai demandé à l'agence d'en envoyer 2 autres aujourd'hui. J'ai reçu leur CV par email, je crois qu'elle pourrait convenir. Ok, excellent, merci. Oh, et j'ai bien lu votre email pour votre rendez-vous chez le dentiste. Prenez votre temps surtout. Ah, merci. David? Oui? Vous savez, si vous voulez que je réduise mon salaire pendant quelques temps, c'est possible. Mais non, c'est très gentil de votre part. Mais on va régler ça avec Judith. Réduire les salaires et virer le personnel, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. D'accord. Ouais. Je vais chez le dentiste, à tout à l'heure. Tu vas t'amuser? Où est-ce que tu écoutes? Allô? Marybeth, c'est Rachel. Qu'est-ce que vous pensez des CV que vous avez reçus? Justement, je suis en train de les lire et ils m'ont l'air très intéressants. L'une d'elles va passer ce soir aux environs de 6 heures. Elle m'a parlé très bien au téléphone. C'est celle qui est romaine? Oui.
Ileana, c'est son prénom. J'espère qu'elle fera l'affaire. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais bientôt m'en aller. Vous pourrez dire à David à quelle heure elle vient ? Je crois qu'il préférerait être là. Bien sûr. Et vous me direz comment ça s'est passé. Entendu. Au revoir. Au revoir. Bye bye, Marie-Bess. Va voir tes enfants, ça va pas être la joie avec toi. Reviens nous hanter, n'est-ce pas, Grady? Vous ignorez qui je suis, mais moi, je suis au courant de votre petite aventure extra-conjugale. Si vous ne voulez pas que votre femme découvre ce qui s'est passé avec Judith Magnon, je vais vous demander de me faire une faveur. Rachel, est-ce que vous pouvez noter mes appels? Je vais étudier ce rapport financier chez moi, en attendant la fameuse babysitter. Pas de problème. Dire sur cette fille, puisque j'aurai affaire à elle. Vos appels. Ah, merci. Bonsoir. À demain. À tout à l'heure, plutôt. Oui, David. Ah, Rachel, Dieu soit loué, vous êtes encore là. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon bureau, je crois que j'ai laissé mon rapport trimestriel. Oui, je vois. Une seconde. Vous l'avez oublié, oui. Ok, génial. Vous pouvez demander à un coursier de me l'apporter ? Bien sûr. Pas de problème, je m'en charge. Au revoir. Dans le salon. Ah, bien sûr. Bien. Et vous savez, je peux commencer tout de suite. Mais c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Rachel. Ce n'était pas la peine d'envoyer un coursier. C'était plus simple que je vous l'apporte, puisque je rentrais chez moi. Merci. Ileana, voici mon assistante, Rachel. Je me doutais que c'était vous. Je vous ai eu au téléphone. Ah oh, oui. Vous avez un truc, oui, c'est vrai. Oh, est-ce que Rachel peut dîner avec nous ce soir? Oui, pourquoi pas. Oh, c'est gentil. Viens, chérie, tu vas m'aider à la cuisine. Oui, va avec Marie-Beth. Oh oui, oui, vas-y, mon chou. Au revoir. Je vous raccompagne à la porte. Oui. Oh, il y a une petite chose que je dois vous dire. Ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir un visa pour faire venir ma mère ici, un visa de regroupement familial, parce que
Elle souffre d'un cancer et elle va être mieux soignée ici que dans notre pays, ça c'est certain. Ah, je suis vraiment navré. Oh, je vous remercie. C'est pour vous dire que j'ai enfin obtenu un rendez-vous avec le service d'immigration. Ce sera jeudi prochain, le 23. Donc je ne serai pas disponible ce jour-là. Vous inquiétez pas, ça fait rien. J'espère que vous aurez votre visa. Ah, c'est gentil. Bon, ben à lundi. Oui. Si je comprends bien, vous vous en allez demain? Oui. Il faut que je reparte travailler. Mais je suis rassurée, maintenant que tu as engagé Ileana. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Raconte un peu ce qu'on a fait hier soir. Qu'est-ce que ça représentait, tes collages? Des chevaux. Des chevaux? C'est les animaux que je préfère, j'adore les chevaux. Ah, c'est vrai, moi aussi, avec les ours. Ah, t'as déjà fait du cheval? Eh bien, en fait, avec Carole, on voulait l'amener au parc animalier l'année dernière. Mais on s'est dit que ça pouvait attendre encore un an. Il faut faire attention. Les chevaux peuvent être dangereux. Mais pourquoi attendre aussi longtemps? Il faut absolument qu'on lui montre ça. Là-bas, il y a plein d'animaux et tu pourras faire du poney. Tu verras, c'est génial. Oh oui, je vais y aller tout de suite. Écoute, c'est pas une mauvaise idée. On va voir. On ira peut-être un jour quand Rachel aura du temps. Eh ben, demain. Demain, je travaille avec ton papa. Mais samedi, est-ce que ça vous irait? Eh bien. D'accord, samedi. Oui, oui. Oh. Ça doit être Rachel qui l'a pris. Quoi ce pique-nique? On va bien voir. Ah! Allez, viens dans mes bras. On va danser pour maman. Viens, maman. On va mettre la caméra sur la table. Qu'est-ce Attends. Que... Allez, viens, chérie. Oui. On la met sur la table. Oui. Ce DVD, il est sûrement à ton patron. Donne-moi ça tout de suite. Tu n'as pas le droit de monter chez moi. Combien de fois je t'ai répété de ne pas fouiller dans mes affaires? Tu es obsédée par ce type. Fiche le camp, je ne veux plus te voir ici. C'est pas normal. Je parie qu'il ne sait pas que c'est toi qui l'a... Ça suffit, va-t'en, dégage. J'ai remarqué que tu te fais des idées sur lui, depuis que j'ai emménagé ici. Bien. Vas-y, déménage! Fous le camp! J'ai pas besoin de toi! Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui partage le loyer! Tu veux me mettre à la porte? Alors que mes parents t'ont hébergée quand tu étais toute seule? Je t'ai toujours traitée comme une sœur. Tu ne manques pas de culot. Sans mes parents, tu aurais atterri dans une famille d'accueil. Arrête, ça suffit, tu me rends folle. D'ailleurs, je te déteste, tu entends? Mais j'essaie simplement de t'aider, Rachel. Personne ne sortira avec toi si tu continues comme ça. Je n'ai pas la moindre intention de sortir avec qui que ce soit. Je vais bientôt épouser David. C'est de la folie. Si tu veux mon avis, tu ferais mieux de t'assurer que personne ne découvre ton obsession maladive pour lui. Ouais, merci maman. Ma chérie. Oui, merci. Tout le monde le verra. Je t'aime, ma chérie. Oui, on sera ensemble un jour, ça, je te le promets. C'est certain. Je t'aime, Carole. Oui, papa. David, tu es le meilleur, tu es le seul qui vaille la peine. Thank you.
Merci. Ça fait des heures qu'ils sont là. Comment ça se passe? Oh, très bien. Dis, il paraît que si David ne décroche pas ce contrat, il risque de virer des gens. Oh, ne t'inquiète pas, Laura. Tout va se régler, tu verras. Tiens, voilà ton invitation pour le dîner annuel de l'entreprise. Ce sera au club privé de David. Génial. Eh bien, à tout à l'heure. D'accord. Bureau de David Westcott. J'ai John Price en ligne pour David Westcott. Oh oui, un petit instant, je vous le passe tout de suite. David, John Price veut vous parler. Bonjour John, comment ça va? Bien, David, merci. Dites-moi, Judith est avec moi, je vais mettre le haut-parleur, une minute. Bonjour John. Bonjour Judith, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez gagné. Oui. Ah, c'est fantastique, je suis soulagé. Monsieur Kirtland ne voulait pas traîner. Pour être honnête, on était un peu inquiets. Comme on n'avait pas de nouvelles, on s'est dit, ils vont signer avec Branson. On avait contacté plusieurs boîtes, mais ça se jouait entre vous deux. Et puis la décision a été prise dès que Grady Branson a décidé de se retirer ce matin. C'est pas vrai, il s'est retiré? Oui, vous l'avez échappé belle. Mais on est sûr que vous ferez du bon boulot. Dites à Monsieur Kirtland qu'il est entre de bonnes mains. J'y manquerai pas. Il voudrait vous voir avec Judith à New York vendredi. Vous déjeunerez à la taverne avant de rejoindre le bureau. Vous pourrez descendre à l'Alliance Park Hotel. Il y a des chambres réservées pour le personnel. Ça vous va? Oui, absolument. D'accord, j'informe sa secrétaire. Ok, merci John. À bientôt. On l'a eu. Ah, c'est génial. Ah, mais je trouve ça bizarre que Grady se sortirait. Oh, je me pose plus de questions sur ce gars-là depuis longtemps. Il faut impérativement fêter ça. Je t'assure, Olivier. C'était à... Allez, portons un toast à notre victoire. Oui. Oui, santé. Allez, à notre victoire. Santé. Ça, je le prends. Je crois savoir qui c'est. Ouais. Isabelle. Chérie, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment ça va? Bien. Oh, tu voulais me dire bonsoir avant de te coucher? Ouais. Attends, Rachel est juste à côté de moi. Tu veux lui parler? D'accord. Juste une minute. Salut, Isabelle. Ça va être super, toi. Oui, ça c'est sûr. On va s'amuser comme des fous demain, tu vas voir. Papa aussi. Oui, papa aussi, oui. Ah oui, moi aussi. Alors, à demain matin. Ok. Allez, au revoir. Chérie? J'ai Allez, trop mignon. Bonsoir, mon cœur. Je t'aime. Bonsoir. Bonne nuit. Votre fille est adorable. Comment va-t-elle depuis que... Oh, c'est dur. C'est très dur, mais... Je crois que ça va bien coller avec la nouvelle nounou. Ileana. Ah. Ileana. Je ne sais pas comment elle va réagir quand elle saura que je dois passer une nuit à New York la semaine prochaine. Elle va piquer une crise. Vous pourriez l'emmener avec vous? Elle a déjà été à New York? Oui, 2-3 fois. Elle adore Central Park. On pourrait faire un saut à Little Italy et manger une pizza. Je suis sûre que ça l'amuserait. Ah, peut-être, mais vous serez trop pris pour vous occuper d'elle et elle risque d'être déçue si vous n'êtes pas assez disponible. Oui, c'est une excellente idée. D'accord. Quand vous organiserez notre voyage, réservez une chambre d'hôtel pour Ileana et 2 billets de train supplémentaires. D'accord. Oh, on fera un saut à Little Italy et on mangera une pizza. Je rêve. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il faut faire avec une enfant. Avec un homme marié, peut-être, mais avec Isabelle, sûrement pas. Ah, tiens, qu'est-ce que vous fêtez? Non, laissez-moi deviner. Judith vient de se marier. Non. Remarque, c'est pas demain la veille. Ah, mais j'y suis. T'es la nouvelle égérie de Kirtland Holding. Ça doit flatter ton ego. Grady, mais qu'est-ce qui vous prend? Franchement, c'est dégoûtant. Surtout venant de toi. Mais de quoi tu parles? T'es capable de tout, toi. Hein? Pour arriver à tes fins, t'as aucune limite. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais laissez ma collègue tranquille. Cette femme n'a aucun scrupule. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas envoyée dans les bras de Kirtland. Ça aurait été efficace aussi. Comment oses-tu dire une chose pareille? C'est bon, ça suffit maintenant. Allez-vous-en, sinon j'appelle la direction. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a? J'ai rien compris. Ah, mais oui, c'est bizarre.
Dites-moi, si on allait voir si notre table est prête maintenant. Oui, il n'est pas question de gâcher la soirée. Allez, on y va. Rachel. Oui. Je tenais vraiment à vous dire que vous m'avez beaucoup soutenu ces dernières semaines. Et vous avez été bien plus qu'une assistante. Je vous assure, vous avez été une amie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Oh, mais c'est tout à fait naturel. Merci. C'est quelle race, ça? Elle est grande, cette jument. Ouais. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est un mâle. C'est un cheval de labour. Et il tire des charrettes. Elle est grosse aussi, oh là là. Oui, t'as raison. Elle est très longue, sa crinière. Je vais l'appeler Roméo. Oh, j'adore ça quand il mange dans ma main. Oh, c'est super. C'est trop mignon. Regardez, vous avez vu? Elle est pas mignonne? Très mignonne. Je vais l'appeler Madame Meule. Ah oui, je trouve que ça lui va très bien, ce nom-là. Oui. Salut Roméo, au revoir. Roméo, je suis bien amusée. Tant mieux, on reviendra peut-être après notre voyage à New York. Et Rachel pourra venir avec nous, papa. Ah, tu sais, Rachel a beaucoup de travail au bureau. Mais une autre fois peut-être, oui. Mais je vais lui montrer le parc. Ça t'a plu, hein? T'en fais pas, nous irons à New York ensemble très bientôt, ma chérie. Oui, c'est moi, je vous écoute. Madame Dobra, ici Patricia Macmillan. Je travaille dans le service de l'immigration et je vous contacte pour confirmer votre rendez-vous de demain concernant votre mère. Oh non, ça doit être une erreur, c'est pas demain. Non, non, mon rendez-vous est pour le jeudi 23. Oui, c'est ça, à 10h. Non, non, pas du tout. Votre rendez-vous est prévu pour demain à 4h. Vous n'avez pas reçu votre avis de changement de date. Non, oh mon Dieu. Oh ça, alors, je vous remercie de m'avoir appelé parce que je devais aller à New York demain matin. Mais si ça ne convient pas, je peux vous proposer un autre rendez-vous, mais pas avant 3 mois. Non, non, ça va aller. Je dirai juste à mon patron que je ne peux pas aller à New York et puis voilà. Je peux vous assurer que je me présenterai demain à 4h. Ah, et merci encore de m'avoir prévenu. Mais je vous en prie de rien. Iléana, je vais te transférer sur le répondeur.
concert dans les fresques, quelqu'un. Excusez-moi. Non. Je vous apporte un petit café. Ah, oh, merci, c'est gentil. Merci. Un cappuccino pour vous. Merci, Rachel, c'est gentil d'y penser. J'en avais besoin. Oh, je ne vous passe toujours aucun appel? Non. Non, pas avant une demi-heure. D'accord. De partir à New York. Merci. Je suis désolée. C'est pas grave. Bon, ben, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. David, il est déjà 7 heures. Vous comptez rester encore longtemps? J'ai presque fini, mais au fait, c'était Judith. Elle se sent pas très bien. Elle viendra pas avec moi. Oh! Pauvre Judith. La réservation du restaurant, c'est moi qui m'en occuperai. Vous pourrez annuler le billet de train. Entendu. Iléana a téléphoné, elle voudrait que vous la rappeliez. D'accord. Je le fais tout de suite. Allô? Iléana? Oui. C'est David. Oh, bonjour. On a changé la date de mon entretien à l'immigration. Je pourrais pas aller à New York, malheureusement. Ah, je vois. Je suis désolée, c'est important. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Non, 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 je comprends, ne vous inquiétez pas. Oh, je vous remercie. Oui, bonne chance avec votre rendez-vous. C'est gentil, merci, monsieur. Je vous en prie, au revoir. Oh, c'est la loi des séries aujourd'hui. Ah bon? Que voulez-vous dire? Il y a un changement de date pour son rendez-vous avec le service d'immigration. Elle ne vient plus à New York. Ah. Il faut que je trouve une babysitter et que j'appelle Isabelle pour lui dire. Et ça va la contrarier. Mais attendez, moi je pourrais aller à New York avec vous. Je m'occuperai d'elle pendant que vous voyez Kirtland. Ce serait une solution, non? Je sais bien que vous avez besoin de moi ici, mais vous savez, c'est très difficile pour Isabelle en ce moment. C'est pas idiot. C'est même une bonne idée. C'est drôle, hein, parce que c'est avec vous qu'elle voulait partir. Je sais. C'est d'accord. Vous allez à New York. Très bien, si ça peut vous aider. Waouh, dis donc, c'est grand. Alors, ça vous plaît? C'est magnifique. Regardez la vue. Est-ce que c'est... Je veux dormir dans la chambre de Rachel. Attends une minute. Les filles vont s'installer là, dans cette chambre. Et moi, je prends celle-là. Viens, Rachel. C'est génial pour elle. Elle est tellement heureuse. Elle est très excitée. Bien, maintenant, je vais me rafraîchir un peu. J'ai rendez-vous avec Kirtland à son bureau et on déjeunera après. Je vous donne un peu d'argent pour manger quelque chose. Tenez, prenez ça. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Et voilà la clé. Merci. Et à quelle heure va-t-on se retrouver? Je devrais revenir avant 5 heures. Et ensuite, on passera la soirée ensemble, tous les trois. Génial. Rachel, on peut aller au parc maintenant? Oui, bien sûr. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors, tu t'es bien amusée à Central Park? Ouais. Bonne nuit. Et tu sais que t'as du culot de m'avoir battu aux cartes. À demain matin. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Rachel. Bonne nuit, chérie. Encore une coupe? Toutes mes félicitations. C'est du bon travail. Ravie de vous avoir dans l'équipe. Kyle Kirtland. C'est sympa. Ouais, ça fait plaisir. Et... je suis ravi aussi de vous avoir dans mon équipe. Vous êtes toujours disponible pour nous. Oh, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Voilà.
petit cadeau. Mais en quel honneur. Oh, c'est pour vous remercier, pour... Vous avez été tellement dévouée, c'est pour ça, c'est tout. Vous gardez ma fille, vous avez aidé Marybeth, vous venez ici, enfin voilà quoi. Mais je... Vous savez, c'est tout à fait normal. Non, 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 les gens comme vous, attentionnés et généreux, ça ne court pas les rues. La plupart des employés, après le travail, veulent partir tout de suite, mais pas vous. Vous vous souciez des autres. D'Isabelle, de nous et de l'entreprise. C'est vrai. Et je tenais à vous dire à quel point ça me touche. Alors, quand je descendais Madison Avenue cet après-midi, eh bien, j'ai vu ça dans une vitrine. Je me suis dit, Rachel va adorer ce modèle-là. Vous m'aviez dit que vous aimiez les montres. Oh. David, c'est beaucoup trop beau. Quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle vous irait très bien. Oh mon Dieu. Eh oui, elle était faite pour vous. Ouais. Oh, merci, je suis si heureuse. Merci beaucoup. C'est pas grand-chose. Mais arrêtez. Excusez-moi. Écoutez, si j'ai dit ou fait quoi que ce soit qui vous ait fait penser que je pourrais... Oh, franchement, je sais pas quoi dire. Oh, mais vous savez, il n'y a rien à dire. C'est entièrement ma faute. Mais j'étais vraiment sincère. Vous êtes quelqu'un de bien, une vraie professionnelle, puis une bonne amie. Mais j'aime toujours ma femme. Oui, oui, je le sais. Évidemment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'espère que vous comprenez. Oui, tout à fait. Je vous assure, David, je comprends très bien. Je vous laisse, je vais me coucher. Jeter sur lui comme ça. Oh, je suis tellement stupide. J'arrête. Je vais me calmer. Ce qu'il faut, c'est... Il faut que je reprenne mes moyens et je vais prendre du recul pour lui laisser un peu le temps de souffler. Au fond de lui, je sais bien qu'il m'aime. Il faut qu'il en prenne conscience tout seul. Bonjour. Bonjour. David, à propos d'hier soir, eh bien, le champagne me fait souvent un drôle d'effet. Et je ne voudrais surtout pas que vous... Rachel. Oui. Ne vous en faites pas. On a été terriblement stressés. Ça a été très dur ces derniers mois. Oui, c'est vrai. On avait prévu de partir aujourd'hui, mais je vais rester avec ma fille encore une journée. Pour profiter l'un de l'autre et visiter un musée et se promener. Oh oui, c'est une bonne idée, bien sûr. Je suis certaine qu'Isabelle sera ravie de vous avoir pour elle toute seule. Je vous aurais demandé de rester, mais je pense... Enfin, on n'a pas encore eu l'occasion de parler depuis que sa mère est morte, alors. Oh oui, absolument. Oui. D'ailleurs, j'ai promis à ma cousine qu'on irait visiter toutes les deux Atlantic City, de toute façon. Oui, donc, ça tombe très bien. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Oh, oh, comment va mon trésor? Bien. On prend le petit déjeuner? Oui, mais je vais d'abord te montrer quelque chose. Regarde.
Est-ce que tu as déjà vu Central Park aussi? Non. C'est magique, hein? On va passer toute la journée ensemble. Rien que nous deux. On va bien s'amuser, tu vois. Oh, ouais, super. Et on va peut-être visiter un musée. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te ferait plaisir? Ouais. Mais avant, on va prendre un délicieux petit déjeuner ensemble. Tu veux des pancakes? J'adore les vieux films, moi aussi. Oui. Oh oui, c'est tellement mieux de se rencontrer sur Internet. Quoi, alerte au virus? Oh non, encore! Oh. Je sais bien que je n'ai pas le droit, mais tant pis, tant pis. Oh, il va me tuer, oh mon Dieu. Oh non, je veux pas le perdre. Oh, et puis elle ne le saura pas. Reste connectée avec moi, Phil. J'en ai pour une seconde. Oh, désolée, Rachel, mais Phil est en ligne. Promenade en forêt, oh, dîner aux chandelles. Oui, on aime les mêmes choses. Et ça me fait très plaisir de discuter avec toi. S'il te plaît, envoie-moi ta... Oh non, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais, tu vas me tuer. Mais qu'est-ce que tu fabriques sur mon bureau? Je suis venue une seconde parce qu'il y avait un virus dans mon ordinateur. Je t'avais pourtant dit de ne jamais, jamais monter ici. Je t'avais dit de ne jamais, jamais venir chez moi. Excuse-moi, c'est la dernière fois, mais je enfin, te promets... Mais enfin, tu n'écoutes jamais rien. Tu n'es qu'une garce. Ah, tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu es la personne la plus sans gêne que j'ai jamais rencontrée. Je viens de te dire que je m'excusais. Je te déteste, Nora. Je veux pas entendre ça. J'ai rien cassé, c'est pas si grave que ça. Tais-toi, ce n'est pas la question. Et ne te défile pas comme ça. Écoute-moi, j'ai encore des choses à te dire. Tu as toujours été méchante avec moi, depuis l'enfance. Nous qui t'avons recueillie. Tu faisais partie de la famille. Non, vous m'avez traitée comme une inférieure. Je me sentais toujours inférieure à vous. Oh non, c'est pas vrai. J'ai tout fait pour que tu sois ma meilleure amie. Mais plus maintenant. Hé, hey, viens là. Tu es une femme malheureuse. Tu me fais vraiment pitié, Rachel. Tu n'es pas normale. Regarde-toi. Avec ta maison de poupée, tu es tellement ridicule. Et ta fixation sur ton patron. Tu n'y comprends rien, rien du tout. David est amoureux de moi. Il ne le sait pas encore parce que je suis son employée. Oh. Il va m'aimer. Il ne me regarde pas encore en tant que femme parce que je travaille pour lui. Fais-toi une raison. Un homme comme lui n'aimera jamais quelqu'un comme toi. Encore moins quand il te connaîtra aussi bien que moi. Aussi, tu verras. Aussi, j'en suis sûre. Non, non, il ne t'aimera jamais. Jamais, jamais. Ferme-la ! Et elle était là, en bas de l'escalier. Elle a dû tomber. Oh, vite, envoyez une ambulance. Entendu. Dépêchez-vous, vite. Oui, madame, elle va arriver tout de suite. Tu te trompes, Nora. Moi et David,
On sera ensemble un jour. Quand on s'aime comme nous deux, on ne peut plus vivre séparés. Tu as parlé à la babysitter d'Isabelle ? Oui, j'ai donné à David un petit coup de main. En fait, j'ai fait le compte de ses heures pour être sûr qu'elle serait payée. Je vois. Donc je l'ai appelée pour confirmer qu'elle n'avait pas travaillé vendredi parce que c'était le jour où David emmenait sa fille à New York. Oui, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait rendez-vous à l'immigration pour sa mère. Sauf que c'était bidon. Il s'est avéré que la personne qui l'a appelée pour lui dire que le rendez-vous avait changé a sans doute menti. Quand elle s'est pointée vendredi, elle a découvert que son entretien était toujours prévu pour jeudi. Et personne ne sait qui a bien pu la contacter. Elle était furieuse. Ça lui a coûté 2 jours de travail. C'est vrai, j'avoue que c'est étrange, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Rachel ? Après, j'ai réfléchi à ce voyage à New York. En réalité, Rachel y est allée parce qu'Eliana était retenue ici. Après tout, c'est peut-être elle qui a téléphoné. Tu crois que Rachel se serait fait passer pour une employée du service d'immigration pour pouvoir partir à New York ? Ce serait dingue ! Je sais, ça paraît incroyable, mais enfin, tu as vu comment elle est ? Tu as remarqué ? Elle prend tellement à cœur tout ce qui concerne David. Oui, bon, d'accord. Allons, tu trouves pas que c'est un peu bizarre ? Écoute, c'est vous deux qui deviez aller à New York, et pas Rachel. Et finalement, c'est elle qui a fait le voyage. Oui, mais elle ne pouvait pas savoir que j'allais tomber malade. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas possible. Quoi ? Non, c'est ridicule. Mais quoi ? Quand j'y repense, je me suis sentie mal après avoir bu le cappuccino que Rachel m'a apporté jeudi soir. Tu crois qu'elle serait allée aussi loin ? Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. Après tout, c'est peut-être elle aussi qui a eu l'idée d'écrire ce mystérieux mail que Grady Branson m'accuse d'avoir envoyé. À mon avis, il faudrait informer David. Oui, je vais peut-être le faire. Je crois qu'il est occupé en ce moment. Ok, je te rappelle. Il faut que je vous parle, c'est à propos de Rachel. Moi, je refuse de l'accuser sans preuve, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de coïncidences ? En effet, Judith. Vous avez peut-être raison. D'ailleurs, il y a eu un moment à New York où... Je vous remercie de m'en avoir parlé. Je vais régler ça. Bien. Venir une minute dans mon bureau. Oui. Mais voyons, tout ce qu'ils veulent, c'est me détruire en m'accusant de toutes ces horreurs. Non, je ne crois pas. Il y a eu une série d'incidents très bizarres ces dernières semaines et à mon avis... C'est sans doute parce que vous vous faites des illusions sur la nature de notre relation. Vous attendez certaines choses de ma part que je ne peux pas vous donner. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça du tout. J'ai mal interprété la situation à l'hôtel, mais ensuite on en a parlé et je peux reprendre mon poste exactement comme avant. Non. Si je vous garde comme assistante, ça ne marchera pas. Il y aura trop de problèmes et c'est mieux pour tout le monde qu'on ne travaille plus ensemble. Vous me mettez à la porte ?
Vous allez me présenter votre démission. Vous aurez vos indemnités de licenciement. Vous êtes très consciencieuse, vous retrouverez très vite un autre job. Mais ici, c'est fini. Mais David, je suis la meilleure assistante que vous ayez jamais eue. Personne ne s'occupe aussi bien de vous et de votre fille que moi, et j'aime cette entreprise. Vous l'avez dit vous-même. Oui, je sais, Rachel. Ça n'a pas été une décision facile, croyez-moi. Mais c'est mieux comme ça. Et vous avez pensé à Isabelle ? Oui, elle s'en remettra. Mais j'ai apprécié tout ce que vous avez fait pour l'aider. Je ne travaille plus pour lui. Mais oui, c'est évident. Mais bien sûr. Vous avez été bien plus qu'une assistante. Vous avez été une amie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Tu as bien fait de me renvoyer, c'est très intelligent. Tout finira très bien. J'ai un petit cadeau d'anniversaire pour Isabelle. Non, 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 elle est au lit maintenant. Ilyana a eu du mal à l'endormir ce soir. Oh, c'est vrai, je sais bien que c'est un peu tard. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je lui donnerai demain matin. Merci beaucoup. Dites-moi, je voudrais vous parler une seconde pour... Pour être honnête, je préférerais que vous appeliez d'abord au lieu de débarquer à l'improviste. Vous avez raison, je voulais juste vous dire... que je sais pourquoi vous m'avez renvoyée aujourd'hui. Et après ce qui s'est passé avec Judith et Grady, je comprends que vous deviez donner l'exemple, c'est normal. Ouais. Mais maintenant que je ne suis plus à Westcott, on pourrait se voir sans gêner personne et prendre un nouveau départ. Se voir tous les deux? C'est très délicat. Je présente mal les choses. Et puis... Vous savez, j'ai horreur de jouer à ces petits jeux, c'est vrai. Bon, il vaut mieux que je vous le dise, franchement. Je vous aime. Et je sais que vous m'aimez aussi, au fond de vous. Rachel, arrêtez.
Vous croyez que je vous ai renvoyé parce que je voulais sortir avec vous? Mais oui. Je n'ai aucune intention de vous séduire. Je viens de perdre ma femme. J'aimais Carole. Oui, j'en suis consciente. Mais maintenant, vous pouvez aimer quelqu'un d'autre. Je ne vous aimerai jamais, Rachel. Jamais. Je ne veux pas vous blesser, mais il faut que je sois très clair avec vous. Vous ne travaillez plus pour moi. Ne débarquez plus jamais ici à l'improviste. Trouvez-vous un travail, tournez la page. Maintenant, vivez votre vie. Je peux pas. Je peux pas, j'y arriverai jamais. Vous n'avez pas le choix, Rachel. Mettez-vous dans la tête qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Partez, s'il vous plaît. Partez d'ici. Chers amis. Oui, d'accord. Ah, c'est ma place. Oh, bon, allez. Ouais, voilà. C'est sympa ici. Ah oui. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter pour le contrat Kirkland. Et j'espère que vous apprécierez cette soirée et qu'on passera un bon moment. Félicitations et bon appétit. Excusez-moi, c'est un dîner privé. Vous pouvez fermer la porte derrière moi? Quelle belle assemblée. Est-ce que je peux vous parler une minute? Pourquoi? Pour me dire que je ne suis pas la bienvenue? Non, je voudrais vous parler en privé. Non, ne me touche pas. J'ai pas l'intention de partir. Mais les filles... Hé, Rachel, qu'est-ce qui te prend? Oh, toi, tais-toi. Posez votre arme. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être assise à cette table, c'est bien moi. D'accord, mais posez votre arme d'abord. Va t'asseoir tout de suite, David. Si tous ces gens sont ici, c'est bien grâce à moi. Si Grady Branson avait décroché ce contrat, ce qu'il était sur le point de faire, vous ne pourriez pas vous taper la cloche parce que vous seriez tous au chômage en ce moment. Venez, on va discuter dehors. Explique-leur, David. Vas-y, dis-leur que quand on travaille dur pour toi, qu'on fait absolument tout ce que tu nous demandes, tu nous en es tellement reconnaissant qu'on finit par devenir dingue. Arrêtez, s'il vous plaît. De quoi tu te mêles, Judith? Tu as fait assez de dégâts comme ça, non? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je me suis occupée de ta fille, parce que tu ne savais pas comment t'y prendre avec elle. Dire que ça fait 3 ans que j'arrive tous les jours ponctuellement au bureau. Rien que pour te faciliter la vie. Je sais, je vous en suis très reconnaissant. Mais tu n'as pas remarqué l'importance que j'avais prise dans ta vie, et encore moins dans l'entreprise. Écoutez-moi, nous sommes dans un beau décor, on est tous réunis ici pour dîner. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous. Ma vie, David, elle est complètement détruite à cause de toi. Alors tu vois, je trouverais ça drôlement injuste que la tienne continue comme si de rien n'était. Non, une minute.
Pensez à Isabelle. C'est affreux, elle a déjà perdu sa mère. Oh, elle survivra. J'ai perdu mes deux parents, je m'en suis très bien sortie. Et toi? Il faut que tu saches que David et moi, on va être enfin ensemble dans l'au-delà. Par contre, toi, tu iras en enfer à cause de tous les mensonges que tu as débités sur moi. Rachel, je... Oh, tais-toi, ferme-la. Ça va trop mal. Donnez-moi ce revolver. Donnez-moi cette arme. Ouvrez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie. Wally, appelez la police. Je ne pourrai jamais vivre. Je t'en prie. Oh, David. Si tu savais à quel point tu me manques. Et Isabelle aussi, bien sûr. La souffrance presque intolérable d'être si loin de toi. S'atténue quand de douces pensées et des élans de passion envahissent mon cœur. Car je sais que toi et moi, mon amour, nous sommes destinés à nous retrouver. Il n'y en a plus pour longtemps. Bientôt, nous serons...